Ma Mission TV, le miroir du monde. Je déclare ouvertes les assises de la commission paritaire du gouvernement banque syndicale de l'année 2021. Fonctionnaire à se retrouver vacaté. Kamwa salaire, kamwa mbongo, bape sakabiso toye bakate, ezalaka transport, ezalaka nini, au juste toye bakate. C'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble à partir de demain pour que toye bako définir logement, toye bako définir soins médicaux, toye bako définir transport, toye bako de base na biso ezanine. Je procède ce jour au lancement officiel de la réunion de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration publique. Conformément à son engagement pris devant l'Assemblée nationale et dans le cadre de sa politique de modernisation de l'administration publique, alors créer la unité de transport, les réduit conformément aux autres. Mais malheureusement, ce sont les épouses qui doivent faire le petit commerce pour subvenir à leur unité de transport. Trois, ils se payent le loyer à coup de mendicité. Voilà pourquoi les fonctionnaires sont ici. Les loyers, ils les paient après avoir mendié. À sa prise en charge par la Banque centrale et les banques commerciales concernées. Avec le ministre d'État, Hervé Brochet, et le ministre des Finances, Nicolas Cazeneuve, nous préparons des actions d'adaptation des textes pour mettre en phase les structures concernées. Qu'un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement de la République et l'intersyndicat national de l'administration publique inaccessible, à laquelle s'étaient ajoutés deux syndicats de médecins, le SINAMED et le CIMED. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut à vous tous fidèles de AMAM TV, bienvenue encore une fois na Allo Congo, émission à Bakongolais. Lelo po na bino ndenge tozalaka liso matoi makolo ko ki en temps réel, to ki tient en temps réel pour na kota lisabino ouverture au ekosala mabongo na premier ministre Sama Lukonde a koza la bongo accompagné na vice premier ministre Jean-Pierre Liao et puis ministre ya budget Aimé Boji, ministre ya finance Nicolas Kazadi et Longo Naba syndicaliste au Bakozala Awa Mokolo Alelo pote Bameka Nakosolo la Likambo et Talibongo réorganisation ya salaire topé situation ya ba fonctionnaire. Alors binonyonso obulandara Ma Mission TV bokolanda biso en temps réel Awa et sika ouverture ya commission paritaire gouvernement banque syndicale et kosalama pour ba assise et banda déjà Nangambo ya Bibwa, venez avec nous pour assister à cette grande activité et nous allons se retrouver tout à l'heure. À tout de suite. Thank you.
Secrétaires généraux, les organisations professionnelles membres de l'INA,
camarades présidents des délégations syndicales de l'administration publique, camarades agents et cadres des services publics de l'État et compagnons d'élite, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est lundi 25 octobre 2021, s'ouvrent les assises de la commission paritaire entre le gouvernement de la République et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, ILA, porte-parole légale et légitime des agents de carrière du service public de l'État. Avant toute chose, rendons grâce à Dieu pour son amour inépuisable qui nous permet de nous réunir afin de réfléchir sur les conditions de vie et de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Ensuite, qu'il nous soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour l'idée force de son action politique axée sur le peuple d'abord, devenu un facteur indéniable des relations patriotiques urbaines insuffisant en permanence de l'espoir pour l'amélioration du social. Partant, nous exprimons notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, M. Samalou Ndiaye, Premier ministre et chef du gouvernement, pour sa bienveillance et sa lucidité politique pour la convocation de la présente commission paritaire qui devra réqualifier et recentrer les débats sur les droits et avantages sociaux des non-valeurs agents et fonctionnaires de l'État. Ainsi, les styles managériels du chef du gouvernement, pivotant sur la promotion du dialogue social, pris par les spécialistes comme mécanisme fléau de règlement des conflits et différents entre partenaires, et si les raisons relayées et entretenues par son Excellence, M. Jean-Pierre Liaoubébo, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, à qui nous réitérons nos civilités syndicales. Mesdames et Messieurs, au terme des négociations préliminaires et conformément aux résolutions ici des travaux préparatoires de cette commission paritaire, l'agenda retient 4 critères implémentés de 3 sous-termes devant être examinés. Il s'agit de 1. La politique salariale. 2. La problématique de la grippe alimentaire. 3. La problématique de la retenue des pères. 4. Les droits civils. S'agissant des sous-termes, il sera question 1. L'évaluation des différents protocoles d'accord signés entre le gouvernement et le banc syndical en 2004, 2007, 2011, 2015, 2018 et 2020. 2. La mise en œuvre de la grille bargaining et avantages sociaux, primes, indemnités et autres avantages sociaux. 3. L'examen des comptes assiettes de l'État, des lieux et droits civils. En effet, les agents et fonctionnaires de l'État, titulaires du présent message, nous chargent d'indiquer qu'après tous les torts subis hier sous la Deuxième République et les temps qui ont suivi pendant 2 décennies aujourd'hui, les reflets
et la maigreur traitement les accordés, ne permettant qu'elles de rehausser la vie décente. Ils sont en alerte et attendent impatiemment des résultats qui écouleront ces assises. C'est faisant. Les agents et fonctionnaires demandent au gouvernement, au-delà des intentions et vœux formulés jadis, la volonté manifeste leur donner cette fois-ci du sourire, car à leur entendement, élever le ministère de la fonction publique au rang d'une vice-primature dénote de l'intérêt politique du gouvernement de travailler à la revalorisation de l'agent public de l'État, producteur de moyens dont le pays a besoin pour fonctionner. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné le chef de l'État dans l'une de ses adresses à la nation, qu'un autre Congo est possible, les agents et fonctionnaires de l'État croient autant qu'une autre administration publique réguée, redynamisée, touchée dans ces problèmes dont le traitement de l'agent en constitue l'un des pivots majeurs comme initialement programmé dans l'agenda de la réforme de l'administration publique est aussi possible. De manière concrète, entre l'évaluation des apports et les examens de l'IPER et mise en place de la politique salariale permettra d'éclairer la suffisance des fonctionnaires sur ce à quoi ils doivent s'attendre en termes de salaire de base. C'est combien, c'est quoi? Prix, c'est combien? Indemnité de logement, c'est combien? Indemnité de transport, combien? Allocation familiale, soins de santé, faits généraux, la liste n'est pas exhaustive. Car définir chacune de ces rubriques de manière claire permettra à l'agent de comprendre le contenu réel de sa rémunération qui reste à la base même de fixation. Et partant, entraîne la résistance dans le chef fonctionnel d'accepter la tenue des pères. À l'instar des revendications des gens posées antérieurement, les cas typiques et récents et civiques de ces enregistrés dans les rangs des membres du NAM et notre regretté camarade Jacques Oufoura, dont la famille a presque assumé seule l'organisation des obsèques, alors que la défense a rendu des beaux et loyaux services à l'État. Mesdames et messieurs, le présent message des agents et fonctionnaires de l'État est-il complexe et le plus simple moyen de la voix des sans voix. Ces agents qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sans recevoir en contrepartie ce qu'il convient pour mener une vie décente à l'essor de leurs collègues d'autres pays, afin de réussir à l'agenda de l'OIT sur le travail décent pour une vie décente. C'est ici le lieu de souvenir pour sortir de ces assises. Les agents et fonctionnaires de l'État espèrent bénéficier d'un degré portant vivement à même de leur assurer une vie meilleure. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, je
message était réservé au Premier ministre. On n'est pas là, mais nous ne le disons pas. Nous ne saurons terminer ces messages sans vous dire que les agents et fonctionnaires de l'État sont tristes. Ils sont tristes pourquoi? Parce que, un, ils travaillent jusqu'à atteindre les délais largement records de 100 ans, sans être mis à la retraite. C'est un danger et c'est en violation des conventions de l'OIT ratifiées par le gouvernement. Deux, ils viennent au travail grâce au petit commerce tenu par leurs conjoints, alors que les habitants des transports les réduisent conformément aux statuts. Mais malheureusement, ce sont les épouses qui doivent faire le petit commerce pour subvenir à leur indemnité de pension. Trois, ils se payent les loyers à coup de mendicité. Voilà pourquoi les fonctionnaires sont ici. Les loyers, ils les paient après avoir mendié. Alors que les loyers, les statuts qui gèrent les agents et les fonctionnaires de l'État, a prévu que le gouvernement puisse payer les indemnités de pension. Quatre, ils se font soigner et enterrer grâce aux cotisations des membres de famille, amis et connaissances, alors que les frais funéraires, la loi rend le gouvernement responsable des libérés. Cinq, ils ne savent pas ce que le gouvernement leur donne. Et c'est les salaires. Et c'est l'indemnité des transports. C'est l'indemnité des logements, les allocations familiales, ou quoi exactement? La liste n'est pas difficile. S'ils sont faits, ils ignorent. Si quel est le but? Les gouvernements. Alors qu'ils leur donnent le même traitement, retient libère. Les agents et fonctionnaires de l'État ignorent sur quel prix de leur maigre traitement que le gouvernement prélève l'hiver. Voilà pourquoi, tout au long de ces négociations sociales, nous sommes convaincus de recevoir des réponses adéquates à toutes ces questions. C'est pour dire, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, comme nous l'avons dit, c'est le statut des électeurs du ministre, que cette commission paritaire se révèle une opportunité notable pour vous donner l'occasion d'entrer dans l'histoire en vous inscrivant à l'aide d'or dans les annales de notre chère association. Cela marquera, bien entendu, les mandats politiques du chef de l'État. Une empreinte de l'île qui fera que son idée force, prêt à prêt, fasse effectivement école. C'est le cas, nous réalisons depuis son avènement à la magistrature suprême, les fonctionnaires d'abord. Et les agents et fonctionnaires de l'État qui suivent de très près ces travaux, brilleront une fière chandelle, à Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, pour les hauts faits d'armes qui leur sortiront de la misère noire, leur imposée par le gouvernement qui se sont succédé près des ministères. Tout pour dire que ces milliers d'agents
des carrières de service public de l'État attendent du Congrès, en lieu et place des discours ronflants aux alliés d'enfer pavés de bonnes intentions. C'est cela le prix à payer auquel nous devons tous ce fonds de dialogue social constructif et franc, attaché de l'intérêt pour faire sortir l'argent public de l'État du gouffre dans lequel il est plongé depuis plusieurs décennies. Et vive la République démocratique du Congo, et vive les agents et fonctionnaires de l'État. Et vive le dialogue social, gouvernement humain. Je vous remercie. Ministre du budget, monsieur le ministre des Finances, monsieur le vice-ministre du budget, monsieur le gouvernement pays du Bureau international du travail, mesdames et messieurs le cadre des agents de l'administration publique, mesdames et messieurs distingués invités, depuis qu'il a plu à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, à qui je rends le hommage de ma profonde révérence, de me confier la charge régalienne de gérer la carrière des agents des services publics de l'État, je n'ai eu cesse, en suivant la ligne d'action politique telle que tracée par son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement, de réfléchir sur le voie des moyens qui m'importe de mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail des dits agents de l'État au sein, in fine, de redresser l'administration publique de notre pays. Dès le 27 avril 2021, aussitôt après la prise de mes fonctions, je fus confronté à l'impérieuse nécessité d'unifier l'intersyndicale nationale de l'administration publique que j'ai trouvé en état de fragmentation. À quelque chose m'a l'air bon, dit-on, alors que le contexte ne semble pas jouer en faveur d'une prompte réconciliation, cet incident eut le mérite, en fin de compte, de révéler les vertus du dialogue social. Oui, du vrai dialogue social, faisant du gouvernement et du mouvement syndical deux vrais partenaires appelés sans cesse à marcher la main dans la main pour la cause des agents de service des carrières de l'État. Aussi ai-je promptement jugé d'en faire le cheval de bataille de tout mon mandat à la tête de ce ministère de la fonction publique. Élevé, ça a été dit, désormais, la bonne cause au rang d'une vice-primature enrichie d'assignations nouvelles en termes de modernisation de l'administration et d'innovation du service public. Les méandres par lesquels nous sommes passés pour parvenir à juguler la crise ayant régné au sein de l'INAC nous ont permis de nous rendre compte, aussi bien le gouvernement que les bancs syndicales dans son ensemble,
avons tous, au-delà de nos divergences traditionnelles, des soucis communs de redresser l'administration publique. Autant donc, il devenait urgent d'amorcer le processus de l'organisation prochaine des élections syndicales à l'échelle de tous les territoires nationaux, pour notamment empêcher la résurgence de facteurs ayant déchiré l'INAP. Autant nous avait-il paru intéressant de nous mettre à la tâche, pour graver sans délai le défi majeur que l'administration publique se doit de relever, à savoir principalement la maîtrise des effectifs et de la masse salariale due aux agents de l'État, sans omettre la question délicate du rajeunissement des effectifs, qui ne peut bien se mêler au gré d'une politique responsable et humaniste de la mise à la retraite des agents, amoindrie dans leur efficacité avec le fait de l'âge. Mesdames et messieurs, le membre du gouvernement, mesdames et messieurs, ainsi que vous le savez, le souci de maîtriser les effectifs de la fonction publique nous a conduit à poser des actes allant dans le sens d'assainir efficacement les fichiers et références de l'administration publique à travers des outils relevant de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et à eux, vous m'avez vu me rendre en province, à Lubumbashi, à Bukavu et à Goma. Demain, ce sera le Kasaï oriental, occidental, le Kasaï. Et puis après, d'autres provinces. Non pas pour seulement y aller pour l'installation de succursales de la CENSA, mais également pour y déclencher les processus de la remontée de données de provinces vers les 10 fichiers de référence. Mon ambition à ce sujet, à la demande de son Excellence Monsieur le Premier ministre, est d'obtenir un fichier certifié qui permet à notre État d'être en permanence à même de donner avec précision le nombre exact des agents de carrière des services publics de l'État. Faute de quoi, le rêve de la maîtrise de la masse salariale due aux fonctionnaires, l'enveloppe salariale due aux fonctionnaires resterait un vœu pieux sans nom. Fini donc l'époque où les numéros matricules ont pu être octroyés sans pudeur administrative, ni égard aux limites fixées par les cadres des structures organiques des administrations rationalisées. C'est une bataille de grande haleine, et le pari n'est pas gagné d'avance. Le combat sera rude, nous le savons. Mais il vaut la peine d'être mené. Dans le même contexte de la paix, vous m'avez vu me rendre à la Chambre haute du Parlement pour éclairer la lanterne des honorables sénateurs sur les questions pertinentes liées à la bancarisation, avec rapport des problèmes liés à sa prise en charge par la Banque centrale et les banques commerciales concernées. Avec le ministre d'État, Yves Brochet,
et le ministre des Finances, Nicolas Cazeneuve. Nous préparons des actions d'adaptation des textes pour mettre en phase les structures concernées du contrôle de la paye bancarisée avec la configuration actuelle de nos départements ministériels. Car sur le terrain des principes de l'engagement de la paye, par les donneurs d'ordre attitrés, il y a des réglages nécessaires à opérer pour que les étapes suivantes de la liquidation et de l'ordonnancement se fassent dans le respect concerté des attributions des uns et des autres. Dieu merci. Les acteurs des différents niveaux ici présents se sont toujours efforcés de mettre sur la même longueur d'onde. Et je voudrais profiter de cette opportunité pour les en féliciter tous. Par ailleurs, combien de fois n'avons-nous pas été en face des agents devant la presse ou même en conseil des ministres pour insister sur la mondialisation matérielle que sur l'informatisation et la digitalisation des services au sein de notre administration publique. Il s'agit d'abord, comme disait, d'user des moyens technologiques modernes pour parvenir à la maîtrise des effectifs qui passe aussi par une lutte sans merci contre les cas irréguliers et stigmatisés. Le doublon des matricules nuls, des matricules zéro, des faux matricules, des matricules d'emprunt, et évidemment de ceux des NU et des NB. Attendez par la nouvelle unité ou non payée. Alors, qui ne nous a pas entendu clamer l'urgence qu'il y a à vaincre absolument les disparités inadmissibles entre administrations, surtout en matière de prix, parce que ça a été ici relevé. Encore que les administrations provinciales passent pour des parents pauvres mis en face de celles du siège de l'institution. J'ai évoqué dans les lignes précédentes les doubles actions du rachetissement des effectifs et de la mise à la retraite avec honneur des agents de l'État. C'était là une manière indirecte d'aborder en filigrane la question de la formation initiale et continue des agents qui s'inscrit dans les cadres du renforcement des capacités de ces derniers. C'est un domaine qui intéresse beaucoup de nos partenaires étrangers. Je trouve ici les remerciements du gouvernement s'exprimant par ma bouche. Les temps me manquerait de rappeler ici tout ce que nous avons entrepris et entreprenons avec la direction de l'école nationale d'administration, financière. Celles-ci, secondées par les Sénarec et les Sénacof, sont en ce moment même en pleine campagne de formation continue au profit de 1100 cadres de commandement des administrations concernées. J'ai parlé de Sénac, je devrais également dire un mot sur les JPO et les structures standards. Quel est le chantier? Quel est le domaine d'activité? Donc, la conjugaison permet en définitive, avec l'accompagnement de tous, de voir comment nous allons redorer l'image, longtemps terminée, de la fonction publique dans ce pays.
sans cesser devant le gouvernement, mesdames et messieurs. En plus de l'ENA, mon ministère exerce sa tutelle sur d'autres structures qui sont le CRAP, le CEP, la CENSAP. S'agissant particulièrement de cette dernière, il me revient de rappeler qu'il y a peu, j'ai été auditionné par la Commission socioculturelle de l'Assemblée nationale. L'objectif déclaré était d'accompagner les processus législatifs d'une proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents de l'État, telle que jusque-là mise en œuvre par la dite caisse appelée CENSAP. Soit entendu, à des cadres, soit étendu à des catégories nouvelles, la magistrature, la police nationale, les enseignants et les forces armées de la République du Congo. Et ce, sans remettre en question les différents statuts particuliers. Il est notoire que les allocations de fin de carrière et la pension de retraite sont la résultante de la politique salariale du pays. La commission paritaire que nous avons convoquée par voie d'un arrêté ministériel, qui se tient sous le patronage du président de la République, chef de l'État, et la haute supervision de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, va se focaliser sur ces trois ou quatre thèmes au nombre desquels j'ai noté la question de la politique salariale. Évidemment, en attendant, la conférence que le gouvernement tiendra prochainement sur la politique salariale générale du pays. Cette manière de faire obéir à la logique de notre cheval de bataille, de citer les dialogues sociaux préalables à toute grande action conçue pour les agents de l'État. Pas un pas sans concertation préalable, sauf le cas des urgences inhérentes à toute action étatique liée à la raison d'État. C'est ensemble que nous devons et élèverons les options. Cette démarche vaut également pour le processus déjà entrepris de la révisitation des cadres et structures organiques des administrations centrales, et ce, de manière générale, à travers une conférence dite des cadres et structures organiques qui n'attend qu'à être convoquée. Il en sera de même de la réutilisation programmée et même appuyée par les partenaires extérieurs, de la réutilisation des principaux instruments juridiques de la fonction publique, qui sont les statuts et les différents règlements d'administration qui datent, comme vous le savez, de 1989. Et après, nous penchons sur la problématique de l'installation effective et sa dimension provinciale dans le cadre de la décentralisation de Milan. Et ce soir, nous nous rendons à Bibois pour expérimenter une nouvelle dimension du dialogue social. Nous avons la foi que le sursaut patriotique, la confiance mutuelle et les compromis républicains l'emporteront sur le a priori, la méfiance et le radicalisme éphémère. Que Dieu bénisse la MC. J'ai dit.
vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le vice-ministre du Budget. Monsieur le représentant pays du Bureau international du travail. Mesdames et messieurs, les cadres et agents de l'administration publique, distingués invités en vos titres et qualités respectives, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Je procède ce jour au lancement officiel de la réunion de la commission paritaire gouvernement-syndicat de l'administration publique. Conformément à son engagement pris devant l'Assemblée nationale et dans le cadre de sa politique de modernisation de l'administration publique, le gouvernement de la République a pris l'option du dialogue comme meilleure méthode de résolution de tous les problèmes qui pourraient se poser. Promouvoir le dialogue social pour toutes et pour tous. Tel est le credo inscrit en bonne et due forme dans son programme d'action 2021-2023 du gouvernement. Ce dialogue social concerne aussi bien le secteur privé que le secteur public de nos forces productrices. Telle est du reste la recommandation formelle que le gouvernement a reçue de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, auteur d'une vision de développement qui met d'abord l'homme au centre de tout. Et c'est de ce dialogue social qu'il s'agit aujourd'hui et qu'il doit s'agir tous les jours dans les rapports entre l'exécutif national et l'ensemble de son personnel. Je rends un profond hommage aux vertus du dialogue que nous inspire chaque jour Son Excellence Monsieur le Président de la République. Dialogue que l'Organisation internationale du travail voit dans toute forme de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, selon les modalités diverses sur des questions relatives à la politique économique et sociale représentant un intérêt commun. Distingués invités, mesdames et messieurs, en tant que Premier ministre, je voudrais réaffirmer que le dialogue social, celui qui met face à face le gouvernement de la République et le bon syndicat, représenté ici, au plus haut niveau, par l'intersyndicale nationale de l'administration publique, est une vertu permanente dans notre pays. Malgré son lourd passé autoritaire. Depuis l'accession de notre pays à cette forme de démocratie sociale, nous avons eu des assises de ce genre au niveau national
et interprofessionnelle au moins à 5 reprises. Et si l'on met de côté la période des balbutiements démocratiques, c'était en 2004, en 2007, en 2011, la commune de la Célé du 21 au 25 janvier 2020. Avec l'ambition d'harmoniser les vues autour de la retenue de l'IPR fixée forfaitairement à 15% sur l'ensemble des assujettis sans distinction. Qu'un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement de la République et l'intersyndicat national de l'administration publique inapensible, à laquelle s'étaient ajoutés deux syndicats de médecins, le SINAMED et le CIMED. Au terme des engagements pris par les partis en vertu du dit protocole, notamment en ce qui concerne l'IPR, n'avait-il pas été admis que l'impôt relevant du domaine de la loi seul, l'autorité revêtue de pouvoir législatif, le Parlement en l'occurrence, devrait être saisi d'une solution durable à apporter à la question. Le gouvernement avait quant à lui aussi pris quelques engagements, figure au nombre de ceux-ci, notamment la convocation de la commission paritaire sur la politique salariale envisagée au courant du mois d'avril 2020 et non réalisée suite à la survenance de la pandémie à COVID-19. Je mentionne ces quelques engagements uniquement pour souligner que les assises de cette année ne devront pas perdre de vue les arriérés récurrents des protocoles passés, quitte peut-être à les considérer sous un nouveau jour, du fait des adaptations nécessaires à opérer pour tenir compte du nouveau temps et du nouveau contexte. J'attends de ces nouvelles assises, surtout, l'engagement de combler le déficit de la réglementation qui existe en matière de rémunération. Déficit affermi de nos jours, notamment par la multiplicité tolérée des barèmes, eux-mêmes fortement disparates, sans négliger la nécessaire harmonisation qu'il convient de faire entre les différents grades et fonctions, ainsi que la révisitation des équivalences existantes entre les différents corps de l'administration publique. J'attends de ces assises également la décision de la suppression d'un certain nombre de discriminations qui existent encore dans l'octroi des différentes primes, sans oublier l'obligation que nous avons d'inverser les valeurs entre ces primes et la rémunération proprement dite. D'autres revendications peuvent également être abordées, notamment le non-respect des dispositions légales et réglementaires en matière de recrutement, de mécanisation, de promotion, d'avancement en grade et de titularisation. L'absence de planification, de la mise à la retraite et j'en passe. Ainsi qu'il est permis de se rendre compte, la prise en compte de toutes ces questions est de nature à concourir à l'amélioration des conditions de vie
les agents de carrière des services publics de l'État, conformément d'ailleurs à la vision du président de la République, telle que bien heureusement traduite en termes d'action dans le programme du gouvernement approuvé à l'Assemblée nationale. J'y reviendrai toujours, tant qu'il faudra le répéter. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, tient l'administration publique pour un levier majeur du relèvement socio-économique de notre pays. Nous devons tous nous inscrire dans ce schéma. Le Congo, aime-t-il à marteler, se doit de se doter d'un appareil administratif qui soit à la hauteur de sa dimension et de sa vocation à devenir une puissance au cœur du continent africain. Aux participants désignés de cette commission paritaire, mon adresse est bien simple. Le sens de responsabilité, le réalisme et le pragmatisme doivent guider vos réflexions et constituer le socle des options que vous aurez à proposer. Sans vouloir jouer à l'anticipation, il est attendu que vous dressiez ici, à la fin de vos travaux, les jalons d'une politique de rémunération cohérente, proposant un projet de barème général de référence pour que l'ensemble du personnel de carrière des services publics de l'État et qui soit à la fois acceptable à moyen et à long terme. Si vous me permettez de conjecturer, il pourra s'agir d'élaborer une politique cohérente et motivante de rémunération qui tient compte des équilibres du budget de l'État en vue d'un barème général de référence. De définir une politique cohérente d'octroi des primes, de proposer le traitement de base de référence pour les agents cadres, pour les agents et cadres d'administration publique, de produire un modèle standard du bulletin de paie, j'en passe. Partant de vos propositions, le gouvernement organisera en décembre prochain une grande conférence sur la rationalisation de la politique salariale de notre pays. Mesdames et messieurs, en parcourant la note d'accompagnement contenant les termes de référence de ces assises, j'ai pu apprécier la qualité des différents orateurs et intervenants qui ont été sélectionnés en vue des travaux en plénière ou en commission. Et bien que Villebois soit relativement éloigné de mon office, je voudrais plutôt vous rassurer de mon accompagnement politique et surtout de mon oreille attentive jusqu'à la clôture des travaux. Et mon souhait le plus ardent est que cette fin soit heureuse, pareillement pour les deux partenaires, le gouvernement et le banc syndical. Sur ce, au nom de Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, je déclare ouverte les assises de la commission paritaire du gouvernement banc syndical de l'année 2021. J'ai dit et je crois. Thank you.
D'abord, je voudrais me présenter. Je suis le deuxième vice-président de l'INAP, Freddy Loua Wansadisi. Toye awa pour la cérémonie d'ouverture et à Bassise, il y a commission paritaire, gouvernement et les bancs syndicales. Donc ces assises, c'est pour aller débattre les problèmes et les conditions salariales, il y a les fonctionnaires, il y a l'État, puisque depuis plusieurs années, fonctionnaires se retrouvent vacatés. Quand moi salaire, quand moi mbongo, ils ont été ils ont transport, ils nini, au juste, c'est pourquoi nous devons nous mettre ensemble à partir de demain pour que Toyebako définir logement, Toyebako définir soins médicaux, Toyebako définir transport, Toyebako de base, Nabiso et Zanin. Alors c'est pourquoi nous avons demandé, n'est-ce pas, au gouvernement que Tosangana pour que tout définir Bilokwana Nyonso poste fonctionnaire Ayeboko se retrouver en dehors de plusieurs accords signés entre le gouvernement et les banques syndicales et Lokomoko se réalisé. C'est pourquoi cette fois ici, avec le nouveau gouvernement, nous allons nous mettre ensemble pour bien définir ces problèmes-là. Mission TV, le miroir du monde.